Ça c'est vrai, mais même pourtant tout à fait différente que n'importe quelle peinture religieuse. La construction d'un mont, c'est comme une prière ou construction d'un temple. Alors vous commencez avec la préparation du bois, avec un, on l'appelle gesso, c'est un mot italien. Ça veut dire à te mettre en présence de Dieu. C'est un des objectifs de l'icône et de former la présence de Dieu n'importe où, non? Alors, en église, chez soi, des choses comme ça. I arrived here just 10 days ago, I think, and in the travel section of Sydney Herald that I brought with us, I read about the singing nuns which serve diners and with good food and then sing Ave Maria. And those same nuns visited us the exhibition the other day, and so I decided we come tonight to visit them back, thank them, and give them as a gift a poster of my latest work, The Yellow Christ, which is the homage to Paul Gauguin. So here we are now entering the restaurant. Bonsoir. Bonsoir. Can you see three men? I'm wrong. No, on a voulait bien venir avant, mais il m'avait fait des visites, c'était impossible. On est venu et je vous présente un petit cadeau. Ça, vous pouvez mettre sur le papier. Je ne sais pas, je voulais bien vous donner quelque chose, je ne sais pas quoi autre. Oui, ça c'est un hommage à Paul Gauguin et à son cri. Si, ça c'est un mot. De l'eau gazeuse. Un pellegrino? Oui. Un pellegrino. Une grande bouteille ou petite bouteille? Petite bouteille, je pense. Anna? Hello? Aussi, aussi, Anna? Pour un repas délicieux, et on est venu vous voir uniquement pour dire bonjour et au revoir, comme on parle, repas de blé. J'appréciais beaucoup la nourriture et la générosité de toute la communauté. Bonsoir et bonne chance à toutes.